Ce samedi 12 mars 2016, à l'ancien évêché de Saint-Jean-de-Maurienne, s'est tenue une conférence de presse afin de présenter l'association .com Venise ainsi que leur future représentation au théâtre Gérard Philippe. Cette conférence était animée par plusieurs représentants de l'association, tels que Daniel Mindre, un Lyonnais amoureux de la Maurienne. J'ai participé à beaucoup d'activités, mais le projet .com Venise m'a séduit dans le sens où il permettait de rassembler énormément de talents. Et bien entendu le théâtre, mais aussi la musique, le chant, la mise en scène, enfin tout un ensemble qui fait que l'on a pu regrouper, et c'est pour moi essentiel, toute la volonté de la Maurienne d'exister par elle-même et de présenter à ses habitants des spectacles qui, nous l'espérons fortement, perdureront dans le temps. Donc la chorale Cœur de Maurienne a accepté de nous rejoindre sous la direction donc, d'Antoine Ficky, qui lui-même dirige le chant de Blue Gospel. Et c'est vrai qu'en lui-même, il nous a apporté beaucoup, puisque par ses origines donc, italiennes, il sera amené avec ses chanteurs à interpréter une dizaine de chansons françaises et italiennes à la fin du spectacle. Donc c'est un plus. Et aussi la chance d'avoir eu, sous la direction de Jacques Falcoz, donc, des professeurs donc, de l'école de musique à vocation intercommunale, je crois qu'ils y tiennent beaucoup et c'est important pour eux parce que tout ceci se fait dans un cadre en effet de notre cité et des communes avoisinantes. Il est certain et il faut en être conscient que les costumes ont été réalisés donc par les personnes qui vont les interpréter. Elles ont passé des dizaines et des dizaines d'heures à les créer. Donc c'est vraiment une création, autant au niveau des enfants qui ont pour certains 6-7 ans, d'autres 10 ans, d'autres à des adultes, à des personnes plus âgées, comme moi, tout simplement. Et c'est vrai que tout le spectacle est basé sur un travail, disons, considérable, bénévole, et que nous avons souhaité, et c'est une volonté, que ce spectacle soit accessible à tous. Le spectacle se déroulera le 2 avril au théâtre Gérard Philippe. Vous pouvez déjà réserver vos places qui sont au prix de 5 euros à l'Office du tourisme et événements de Saint-Jean-de-Maurienne. Nous espérons vous voir nombreux.